Ojan, is it a surprise for you to win this Prix? Of course, a little surprise, but I know the horse is really good when he have a good day, so I had at least small hopes. About the race, you start quickly. It was your plan before? The plan, we always try to get a good start, and we had a good start, and everything worked out good this year. When you believe to the victory with him? Like I said, you always had a small hope, but what I felt in the last turn when Red Cash made a break and I saw I should get racing room, I thought I had a good chance. Congratulations. Hey, t'as pas un truc sec? Pierre, troisième avec Arabuco, est-ce qu'il y avait beaucoup mieux à faire? Non, d'ailleurs on a failli perdre la troisième au passage du poteau parce que le cheval avait tout donné, il était très fatigué dans les derniers 50 mètres, donc c'est super, c'est comme une victoire. J'ai eu presque un regret, c'est dans le tournant, j'y ai presque cru. Je me suis décalé de la corde, j'ai pris le dos de Ready Cash avant que celui-ci se fasse la faute. J'aurais presque perdu la troisième en étant trop gourmand, mais bon, on l'a gardé. Seb, quatrième avec Roxane, est-ce que c'est une performance à laquelle tu t'attendais? Oui, parce que la jument, on savait qu'elle était en super forme, donc avec un bon parcours, on savait qu'elle pouvait dans les 5 premières. Et chose qu'elle a fait, le problème c'est qu'elle avait un mauvais parcours. Et avant la course, on s'était dit de courir côté corne. Et après le départ, ça n'a pas pu se faire, donc elle a un mauvais parcours. Et au courage, elle vient prendre la quatrième place. T'as pas un maquillage là? Joss, cinquième du Prix d'Amérique. Et est-ce que tu t'y attendais tout simplement? Non, je suis de constance de la course, le cheval il court bien. Moi j'étais étonné qu'il courait comme ça aujourd'hui, parce que avec la course que j'avais fait la dernière fois. Mais ça lui fait du bien seulement. Bon, le cheval il court bien. Rien à dire, le terrain un peu mieux. Peut-être ça change tout, mais on est content. Aucun regret par rapport au parcours? Non, parce que je ne voulais pas tout démarrer. J'avais le dos à Ready Cash, lui il a avancé en montant. Je ne voulais pas le suivre parce que je ne peux pas faire d'effort là-bas. Mais après j'étais bien dans le dos de Roxane Griff, c'était bien, super. La suite de son programme, tu la connais? Ben normalement il m'a dit, il vient de me dire, Richard, qu'il veut courir le Prix de France et peut-être le Prix de Paris. Peut-être. Cédric, sixième, est-ce que tu es content de cette performance ou est-ce que tu as des regrets? Oui, le cheval il court bien. Bon, après on s'est retrouvé un petit peu loin dans une course sans train et on a attaqué avant l'intersection pour un peu se rapprocher, quoi. Et puis bon, c'est là que la course s'est lancée, donc c'est toujours plus dur de refaire du terrain dans une course sans train, mais le cheval court très bien, il fait une bonne valeur. Est-ce que tu l'as senti assez dur pour aller avec les vieux? Oui, il a pas démérité, il a pas lâché le morceau. Mathieu, Kinoa, tes impressions? Le cheval court bien, on est parti à la corde, on n'a pas pris le meilleur des départs, après ça a été un train de sénateur un petit peu jusque dans le bas et on a été très vite toute la partie montante. Le wagon 2 ne progressait pas forcément, nous après on n'a pas eu de difficulté à suivre et on a pu sortir quand on a voulu, le cheval court très bien, on est 8e, il s'est pas mal comporté. En ligne droite il a mis un bon bout et à ligne droite il avait un petit peu de mal, maintenant sa préparation avait été un petit peu faussée donc il manquait d'une vraie bonne course. Ça va peut-être avoir aidé un petit peu pour la suite des événements à venir, notamment au Prix de Paris, ça peut être une course adéquate pour lui. Mais les sensations sont bonnes, le cheval ne mérite pas. 8e, je ne sais pas si au final on aurait pu être beaucoup mieux à l'arrivée. On a eu un meilleur parcours que celui-là, ça s'est vraiment bien déroulé. On n'a pas eu de contraintes tout au long du parcours, donc 8e, content. Franck, elle a fait une faute en partant, ça te coûte cher? Bah, disons qu'après on est en queue de peloton, j'ai cru me faire ramener par The Best Madrid, mais bon, bah, lui il n'avait pas plus de gaz, il s'est accroché avec Tigo des temps, donc l'arrière était vraiment pénalisé aujourd'hui. Par rapport à l'année dernière, t'es satisfait quand même de son comportement? L'année dernière, à la limite, courait mieux parce que j'étais dans la partie. Que là, en étant parti sur deux fois et le galop, et après j'ai subi surtout la course avec du gaz, mais bon, on peut pas refaire 20 mètres sur les chevaux de tête. Hein. On va courir quoi maintenant avec Vanika? Normalement, j'avais prévu pour le critérium de vitesse à Cagnes. Dans son allure, ça serait correspondant, et puis ensuite, on verra la forme du moment. Quoi. Rien d'autre avant? Je vais voir, je n'ai pas encore étudié si ce sera le Prix de France ou le Prix de Paris ou je sais pas. Anthony, avec Triode, le départ, ça lui a coûté cher?
ça nous a coûté cher, j'ai pas voulu prendre de risque à la vol, on sait que c'est son point faible. Voilà, on s'est retrouvé mal parqué tout de suite, trop loin. Course en train en débutant, première partie du peloton sans beaucoup de train, donc en descendant j'ai vite compris que ça allait être très compliqué. Je me fais ramener plus ou moins bien, voilà, ils nous repartent sous le nez, j'en viens par sous le nez aussi 700 quand Hugo Duval qui me ramenait arrivait à leur hauteur, donc la course était jouée. Justement, on a fait ce qu'elle a pu jusqu'à mes virages. J'ai vite compris qu'on était cuit, j'ai posé les mains à une droite tout simplement. T'en tires quoi comme enseignement de cette course? Il faut être là, il n'y a pas à dire, faut partir, il faut avoir un cheval, je pense, assez magnifique pour partir. C'est un bon point fort. On va essayer de l'améliorer à ce niveau-là. Prochaine course qu'on aura à la vol, faut qu'elle progresse un peu. Le rêve, il a fait sa valeur, il est parti à la corde, et puis ensuite, j'ai pas trop suivi quoi. Genre, surtout Roxane, et puis il doit finir 10-12e, bon, on n'a pas vu grand chose quoi. Et il est limité face au bon Surtout qu'il est un peu moins bien, je pense. Cet été, il volait, au printemps aussi, et là, je pense qu'il a pris un petit coup de vieux, et puis il doit être un peu moins bien, tout simplement, donc peut-être le laisser tranquille un peu, et revoir ça au printemps quand il va faire la saillie. Il est mieux quand il saillit. Franck, est-ce que c'est une énorme déception avec Rally Cash aujourd'hui? Ah, c'est toujours une déception d'être battu comme ça dans le Prix d'Amérique. Maintenant, on pensait que ça allait être mieux que ça, mais bon, le cheval n'était pas dans un grand jour, il n'avait pas son punch habituel. Donc voilà, je ne sais pas trop si c'est vraiment la fin ou quoi, je ne sais pas. Voilà, bon, c'est sûr que maintenant, il est plus près de la fin que du début, mais bon, c'est dommage que ça arrive ce jour-là. Sa faute, pour finir, tu l'expliques comment? Bah, le cheval était fatigué, voilà, il avait... Plus trop de jus, plus de ressources, et puis bah, il s'est perdu dans ses allures. Donc, bon, de toute façon, j'étais battu, j'étais archi battu. J'aurais été peut-être au mieux troisième, mais c'est tout.